Bonjour, donc on peut commencer. Alors, on a vu donc la dernière fois, on a vu les centrales hydrauliques. Donc, c'était les premières centrales à être installées au monde pour ensuite être rejointes par les centrales thermiques, centrales nucléaires, centrales. Récemment, donc, centrale solaire, etc., éolienne. Donc, ça continue. Donc, on cherche, l'être humain cherche toujours des sources de production d'énergie. Donc, la source de production d'énergie, c'est là où il y a un mouvement, donc une quantité de mouvement, mouvement de l'eau, mouvement de l'air, etc., mouvement des vagues également, et aussi là où il y a de la chaleur, c'est-à-dire le soleil. Voilà un peu les grandes sources de production d'énergie. Bon, la chaleur, évidemment, il faut, pour la créer, donc, il faut brûler donc, un combustible donné. On a parlé des combustibles. Donc, on est rentré donc, la semaine passée dans les centrales thermiques. Donc, les centrales thermiques, on a dit qu'il y en a deux types, hein, thermiques à gaz, directement par les gaz brûlés, on attaque les pales de la turbine. Et il y a donc les centrales thermiques à vapeur, c'est de la vapeur d'eau. Donc, on brûle un gaz, ensuite on chauffe l'eau, on le met donc à une température assez élevée. Et c'est la vapeur d'eau donc, que l'on récupère pour faire tourner les turbines. Aujourd'hui, donc, il y a également donc, ce qu'on appelle les centrales combinées ou bien centrales mixtes également. Donc, vous avez la double fonction. Donc, une première fonction thermique parce que la température des gaz est très élevée. Et donc, on récupère cette température des gaz brûlés qui fait tourner les centrales thermiques donc, à gaz pour ensuite les réacheminer vers une autre turbine qui fonctionne donc avec la vapeur d'eau. Donc, on récupère cette chaleur pour faire évaporer l'eau et créer donc une vapeur d'eau. On la sèche et on la met sous pression, on attaque une deuxième turbine. C'est un peu la tendance aujourd'hui. Ici, on a vu la comparaison entre une centrale donc, thermique qui fonctionne avec le charbon comme carburant hein, de base et une centrale donc, qui fonctionne donc, avec le pétrole, ici en huile légère, ici en mazout. Donc, huile légère, c'est de l'essence. Hein. Donc, voilà, donc le pourcentage, vous avez évidemment, donc le pourcentage, c'est celle-là, hein, qui est à 45%. Ensuite, le mazout est à 42%. Ensuite, il y a le charbon, le meilleur charbon, c'est-à-dire le meilleur charbon, c'est celui qui a une très forte teneur en carbone, hein. Donc, c'est celui-là, on peut avoir donc, des rendements ou plutôt des énergies de 35 mégajoules par kilogramme. Et le charbon, mauvaise qualité, donc à faible teneur en carbone, et on a le rendement minimal. Donc, si vous comparez un peu ces rendements-là, si on les compare avec les rendements qu'on avait vus pour l'hydraulique, c'est beaucoup moins. Hein. Donc, l'hydraulique, c'est donc le rendement d'une centrale hydraulique est beaucoup plus élevé que les centrales et autres. Hein. Donc, organisation d'une centrale. Nous avons ici dans la figure 4. Centrale. Alors, vous avez une immense chaudière. Donc, la chaudière, c'est pour la vaporisation de. Elle est où la chaudière?
Donc ici, vous avez des gaz. Alors, là, c'est l'injection. Donc, la chaleur, elle est là. Donc, vous avez de l'eau. Alors, voilà, donc il y a de l'eau qui vient d'ici, du réservoir. Elle passe par ici, elle est chauffée. Non. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, attendez, on va lire ce qu'il y a. Immense chaudière construite en hauteur dans laquelle on brûle le combustible. La chaleur est absorbée par l'eau circulant dans une série de tubes qui entourent les flammes. La circulation est forcée par la pompe P1. Contenant de l'eau, le ballon est le réservoir de l'eau et de la vapeur à haute pression. Il constitue à la fois le point de départ de la vapeur vers les turbines et le récepteur de l'eau d'alimentation du retour. La vapeur se dirige vers la turbine, haute pression, en passant par un surchauffeur S2. Ce dernier, formé d'une série de tubes entourant le feu, provoque une forte augmentation de la température, 200 degrés environ. Cela assure une vapeur qui est absolument sèche et donne un meilleur rendement thermique. Donc, voilà, il y a de l'eau ici dans le réservoir d'eau. Donc, elle revient ici. C'est un cycle fermé. Hein. Donc, l'eau est en cycle fermé. Donc, on prend l'eau ici. Elle passe par ces tubes. Et là, elle est chauffée. Donc, lorsqu'elle est chauffée, elle est renvoyée ici. Elle passe par le surchauffeur S2. Donc, elle passe par le surchauffeur S2 et ensuite, elle sort ici avec une très haute température et une forte pression. Et à la fin, haute pression. Premièrement, ici, on la met en haute pression et donc la turbine moyenne pression. Et donc, la turbine, elle est là. Hein. La basse pression, oh là là, il y a trois turbines en série. Haute pression, moyenne pression et basse pression. Et là, c'est l'alternateur. Donc, le premier circuit, donc j'ai de la surpression ici. Je fais tourner donc cette turbine haute pression. Lorsque je la fais tourner, Il y a donc l'eau de récupération, l'eau qui fait tourner cette turbine. Une partie, elle revient ici, elle descend. Une partie, elle va vers le haut. Elle va vers le haut, elle est aussi surchauffée. En espoir, elle est injectée dans deux turbines moyenne pression. Donc, elle est réinjectée ici. Donc, dans cette même pression et la vapeur d'eau qui en ressort, donc on la récupère par ici et on attaque directement avec la turbine basse pression. Et après la turbine basse pression, donc la vapeur d'eau restante, donc elle est récupérée par ces deux conduites, donc elle vient ici sur un serpentin donc où circule la vapeur d'eau et autour duquel vous avez donc de l'eau, hein, donc un serpentin avec une injection d'eau froide. Le contact de la vapeur d'eau qui ressort par ces deux amenées, en contact avec l'eau froide, la vapeur d'eau va devenir liquide. Donc, vous avez ici de l'eau tiède, de l'eau liquide qui vient ici. Elle ressort par là, elle va vers la pompe P2 et donc elle est pompée. Ici, donc, il y a un échangeur aussi. Hein, donc, il y a un échangeur de cette eau-là. Et puis, voilà. Et puis, on la pompe. Donc, l'eau est refroidie. On la pompe par la pompe P3. Et on la réinjecte, comme ici. On la réinjecte donc dans le réservoir d'eau. Ici, c'est une... Oui.
Il y a quelqu'un, c'est bon. Voilà, donc ce que ça donne, donc ici vous avez, donc comme ici c'est ici donc une pompe à air, donc elle aspire l'air, donc un ventilo qui aspire l'air chaud et donc il va le dégager vers l'extérieur. Donc ça c'est une cheminée, hein, donc c'est une cheminée de sortie. Alors on va lire ce qu'il y a ici en bas. Donc toutes ces trois. Donc, ces trois turbines, hein, haute pression, moyenne pression et basse pression, elles sont reliées donc, par cet arbre-là, par le même arbre. Donc, elles donnent leurs trois couples, à cet arbre-là qui va faire tourner donc, la génératrice ou génératrice synchrone, on l'appelle alternateur. Hein. Donc, on l'appelle alternateur ou bien génératrice synchrone, c'est la même chose. Hein. Donc, le TP numéro 4, de LT fondamentale 2, quand on vous parle de machine synchrone en génératrice, hein, donc en génératrice, ça veut dire que c'est celle-là, hein, donc on l'appelle l'alternateur aussi. Voilà. Donc, et ensuite, après l'alternateur, vous devez avoir ici un transformateur pour augmenter la tension et ensuite le départ, la ligne qui va donc envoyer l'énergie vers les utilisateurs, c'est-à-dire les zones urbaines et industrielles. Donc, voilà. Alors, figure 4, on va lire qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Réservoir de l'eau, la vapeur, etc. Turbine à haute pression, donc la première turbine, qui permet une première expansion de la vapeur durant laquelle une partie de l'énergie thermique est converti en énergie mécanique. La pression et la température à la sortie de la turbine haute pression sont donc plus basses qu'à l'entrée. C'est normal. Afin d'augmenter le rendement thermique et pour éviter une condensation prématurée de la vapeur, on l'a fait passer par un réchauffeur S3 composé d'une troisième série de tubes. Donc, on la réchauffe une deuxième fois et on l'envoie vers la turbine basse pression. Et on l'envoie donc vers la turbine. Donc, elle est récupérée, donc la vapeur d'eau, elle est récupérée ici. En partie, hein, bon, elle est refroidie, donc elle se transforme en eau. Une partie, donc elle est récupérée, elle est surchauffée par le SA et elle est réinjectée sous une pression moyenne, donc elle va pousser aussi cette deuxième turbine de vapeur d'eau à pression différente, hein, donc haute pression, moyenne pression et basse pression. Voilà, donc c'est comme si vous aviez donc trois centrales, comment dire, en parallèle, hein. Alors, turbine basse pression, ensuite ça passe vers la turbine basse pression à double carter qui enlève le reste de l'énergie thermique disponible dans la vapeur, permettant à cette dernière de se détendre dans un vide presque complet à l'intérieur du condenseur. Donc voilà, donc directement la vapeur d'eau qui ressort de la turbine AD, Elle est récupérée telle qu'elle est, sans réchauffement, et elle est envoyée donc vers cette turbine basse pression qui va donc dégager toute l'énergie ici. Hein, donc ici, c'est la basse pression ici. Donc la vapeur d'eau est récupérée donc de cette façon-là par ces deux amenées. Et donc ici, avec le contact avec l'eau froide, donc ici, on ramène de l'eau froide. Elle rentre ici dans le serpentin de refroidissement, hein, dans le radiateur de refroidissement, et elle ressort ici chaude, eau froide, eau chaude ici, hein, l'eau relativement chaude, et un peu plus chaude. Donc,
elle va refroidir la vapeur d'eau. Donc, la vapeur d'eau le refroidit à moins de 100 degrés. Donc, elle se reforme aussi. Donc, vous avez de l'eau directement ici. Donc, ça arrive qu'une pompe, avec deux pompes ici. On va la pomper et on va la réinjecter ici. Ensuite, le cycle est, comment dire, il est fermé. Donc, l'eau, elle passe par ici. Elle rentre dans les serpentins, elle est réchauffée. Et ensuite, elle remonte. Et voilà. Donc, c'est une thermique à vapeur d'eau. Donc, trois turbines. Pression, moins pression et pression. Où je fais la technique? Quel est le condenseur? C'est pas le condenseur, c'est le condenseur. Le condenseur, c'est une sorte de serpentin, donc c'est une conduite en zigzag, comme ça, qui permet donc, c'est comme un radiateur, le condenseur en fait. Donc, le condenseur, il reçoit la vapeur d'eau et comme il est en contact avec l'eau, il est en contact avec l'eau froide. Donc, l'eau froide, elle va refroidir la vapeur qui a créé le condenseur, c'est-à-dire de l'eau. Condenser, ça veut dire que la vapeur d'eau va devenir eau. Donc, qui provoque la condensation de la vapeur grâce à la circulation d'eau froide venant de l'extérieur. Voilà, il est clair. C'est comme le véhicule, l'automobile. C'est comme le radiateur de refroidissement. Je ne vois le véhicule, l'automobile. Il y a d'abord un mode de refroidissement qui va passer donc dans un serpentin pour refroidir l'huile de moteur. Parce que lorsqu'elle rentre dans le moteur, elle va prendre une très grande chaleur. Donc, elle revient au niveau du radiateur. Pour par système donc de radiateur par l'eau donc de l'eau de refroidissement. Ah oui, le condenseur, c'est le condenseur pour la convertir en une pompe d'extraction de l'eau qui est condensée et la pousse à travers cette pompe P3 alimentaire. Donc, P3, l'eau avec condensée, l'eau condensée, et bien, c'est fatal, elle va chauffer de nouveau. Et elle a chauffé, donc elle a injecté. Donc, c'est un circuit, regardez. C'est fermé. C'est la même eau. Donc, voilà un peu le circuit d'une centrale type à vapeur d'eau. Le réchauffeur. C'est un élément qui permet donc d'augmenter la température de une partie de la réchauffe d'alimentation se condense aussi dans le condenseur. Les analyses thermodynamiques prouvent que le rendement ainsi obtenu est meilleur que si la valeur dérivée dans le réchauffeur à turbine P et BP en passant par le réchauffeur. Voilà. Donc, lorsqu'on réchauffe la vapeur qui ressort d'ici, lorsqu'on la réchauffe, on trouve que le rendement est meilleur que lorsqu'on l'envoie directement. La sortie, là, non, on l'envoie à la turbine moins de pression et la turbine basse pression. Voilà. Donc, c'est pour augmenter le rendement. Bien sûr, si on augmente la température, on augmente la pression. Ensuite, réchauffeur d'alimentation.
c'est la pompe P3, hein, donc qui refoule l'eau d'alimentation contre la forte pression à réunion à l'intérieur du ballon 2. Et complète ainsi cette pompe P1, elle renvoie au réservoir et donc le circuit est fait de cette façon-là. Alors, brûleur, c'est là où on brûle d'eau carbone, hein, donc là où on brûle soit le charbon, soit le mazout ou le gaz naturel. Hein, donc, brûleur provoquant la combustion du gaz, du mazout, du charbon, en poudre, hein, c'est du charbon qui est moulu donc, en poudre. Hein, et projeté à l'intérieur de la chaudière. Donc ici, on projette. Voilà, on a omnigile carburant, donc soit le gaz naturel, soit le mazout, ou bien le charbon pulvérisé, c'est-à-dire en poudre. On l'envoie ici, donc il y a les brûleurs ici, et donc il y a le feu ici. Donc tout ça va chauffer, donc la source de chaleur est ici. Et donc, les conduites, elles sont pleines d'eau. C'est comme le truc, le chauffe-bain. C'est comme l'eau. Et donc, la chaleur de l'eau va chauffer l'eau. Donc, la chaleur de la combustion, et donc, elle va faire d'eau ici. Et qui va être surchauffée dans ce surchauffeur. Elle va être surchauffée davantage. Elle est mise sous pression et elle est injectée vers la turbine haute pression. Donc, voilà, donc la chambre de combustion, réchauffeur, pompe d'alimentation, brûleur, voilà. La combustion à l'intérieur de la chaudière avant d'être projetée dans la chaudière. Le charbon est réduit en poudre, bien sûr. De la même façon, l'huile lourde est préchauffée et soufflée en jet vaporisé afin d'augmenter sa surface de contact avec l'air environnant. Donc, on a l'huile lourde, c'est le mazout. Hein. Donc ici, bien évidemment, donc il faut de l'oxygène. Hein. Donc il faut ici une admission d'oxygène pour pouvoir donc avoir une combustion complète ici. Parce qu'ensuite, après, vous allez avoir des gaz ici de CO en général et du CO2. Hein, donc, le CO2, il faut l'éviter. Hein, il faut l'éviter parce que c'est un gaz qui est nocif. Et très mauvais pour l'environnement. Voilà. Ventilateur. Et soufflant l'air requis pour la combustion. Donc, les ventilos, donc, ils permettent de souffler. Donc, il y a les ventilos. Donc, ils soufflent l'air. Oui, l'air pour la combustion. Donc, il faut, pour avoir une combustion, il faut un carburant et il faut avoir de l'oxygène, donc pompé par cette pompe numéro 10. Et voilà, le tour est joué. Alors, ventilateur, ensuite ventilateur aussi, aspirant les gaz brûlés qui s'échappent par la cheminée. Là, c'est un ventilateur pour les gaz brûlés aussi. On a le four. Donc, les gaz brûlés, il faut les aspirer et les envoyer donc, soit dans la nature, ce qui est mauvais en fait. Donc, si vous envoyez comme ça du CO et du CO2 dans la nature, donc c'est mauvais pour l'environnement, soit les récupérer par une autre conduite, oui, de home, qu'il y a ces gaz-là, pour faire tourner d'autres turbines de moindre puissance, mais aussi pour faire chauffer l'eau, parce que c'est des gaz ici qui dépassent les 200 degrés. Hein. Donc, vous avez des températures qui dépassent les 200 degrés, donc vous pouvez les récupérer, vous pouvez les chauffer de l'eau, parce que l'eau, elle chauffe à 100 degrés,
et donc faire ce qu'on appelle le dessalement d'eau de mer. Hein. Donc, par cette chaleur, on peut l'utiliser pour envoyer dans des stations de dessalement d'eau de mer. Voilà, c'est de l'énergie. Lorsque vous avez une température, un gaz sous température, ça veut dire que c'est de l'énergie. Et il faut récupérer cette énergie, d'autant plus que ce sont des gaz qui vont aller dans la nature. Alors, on était où ? Ventilateur, le ventilo, il aspire les bruits qui s'échappent par la cheminée, donc il les dégage vers l'extérieur. Pratique centrale contient bien d'autres appareils et accessoires essentiels pour assurer un bon rendement dans des conditions sécuritaires, bien sûr. Là, on a cité le gros du matériel. Ainsi, les embrayages permettent de conduire de la vapeur dans les turbines, un système d'épuration maintenant la propriété de l'eau d'alimentation, des pompages gardent les paliers en état de brûlation. Donc, il y a tout ça qui fait que la centrale reste en fonctionnement permanent. Voilà, donc il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est bon. Alors, cependant, les composants que nous venons de décrire suffisent à expliquer le fonctionnement et les problèmes de base de centrale thermique. Donc, je vous conseille, pendant les vacances prochaines, de faire des demandes de visite. Et vous les faites signer par un enseignant ou par le département. Demande de visite, vous les faites signer par le département. Vous pouvez aller visiter la centrale de Bebzouar qui est à côté. Donc, c'est une centrale thermique à gaz. Hein, c'est une centrale thermique à gaz. Les gens sont gentils là-bas. Vous arrivez avec votre carte d'étudiant, la demande. Et ils vont vous accueillir pendant une heure ou deux. Ils vont vous expliquer comment fonctionne leur centrale. Donc, la centrale de Bebzouar, elle est située à la route qui mène vers Fourdelou, juste après le pont qui longe l'autoroute. Après le pont, donc juste après le pont, en allant vers Cube 1, donc dès que vous descendez du pont, sur la droite, donc vous avez la société société de nettoyage de la ville d'Alger, et derrière, donc vous dépassez un peu plus loin, avant que vous rentrez sur la droite, dans les ruelles de la droite, et vous allez trouver là-bas la centrale de Bebzouar. Vous pouvez faire donc une visite d'une heure ou deux comme ça pour voir comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi aller voir la centrale du Hamma. Donc, c'est une centrale qui est beaucoup plus puissante. Le Hamma, on appelle ça la rue de l'usine. Donc, c'est à peu près, c'est en face de Hamoud Boualem. Voilà, Hamma. Vous avez une autre centrale au port d'Alger. Vous avez une autre centrale, je crois, récente à l'Arba. Donc, ça, c'est les centrales qui sont dans les environs d'Alger. Vous pouvez faire des demandes et les gens sont gentils, ils vont vous expliquer de façon plus détaillée. Vous allez voir réellement qu'est-ce que c'est que une turbine et un groupe de production d'énergie électrique. Alors, les turbines HP, haute pression, moyenne pression et basse pression, contiennent une série d'aubes disposées autour d'une roue solidaire de l'arbre. Voilà, donc là, c'est la définition d'une turbine. Les aubes, c'est les ailettes. Hein. Les aubes, c'est les ailettes. C'est comme le ventilateur, donc il a des ailettes, hein, donc des aubes. Donc, une roue solidaire, donc la roue solidaire, c'est le rotor, quoi. C'est l'arbre du rotor. Une roue solidaire de l'arbre du rotor. La vapeur déviée par ces aubes crée ainsi un couple mécanique puissant. Les aubes sont faites d'un acier particulièrement dur. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit de la
de la vapeur sous pression et à haute température. Donc, particulièrement dur pour résister à la haute température et aux forces centrifuges intenses. Voilà, donc les forces centrifuges intenses. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la force centrifuge, ben, la force centrifuge, c'est la force qui... alors, est-ce qu'on l'a dans la vie pratique? Voilà, quand vous faites tourner, par exemple, vous faites tourner quelque chose dans un mixeur, vous allez voir que votre jus va aller vers le haut. Hein, donc, c'est la force centrifuge qui le pousse vers le haut, alors que vous êtes en train de tourner en bas. Donc, lorsque vous conduisez un véhicule et que vous êtes sur un virage à grande vitesse, si vous ne ralentissez pas, donc vous allez voir votre véhicule, il va aller vers l'extérieur, donc vers l'extérieur du virage. Donc, il risque de glisser, de vous créer un accident. On appelle ça la force centrifuge, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bien que les turbines soient généralement couplées ensemble pour entraîner un seul alternateur, donc ici, elles sont couplées, trois turbines, elles sont couplées ensemble, une turbine haute pression, une turbine moyenne pression, une turbine basse pression, elles sont couplées ensemble pour faire un alternateur qui est là, il est mentionné en G, génératrice synchrone. Donc, c'est l'alternateur. Son fonctionnement, c'est comme celui que vous avez vu en TP numéro 4, mais en beaucoup plus grand. Donc, beaucoup plus grand et beaucoup plus cher. Hein. Donc, un alternateur de centrale, ça doit coûter facilement 200 millions de dollars. Hein. Une bonne centrale, vous avez un alternateur d'entre 100 et 200 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ça doit être fabriqué donc, avec un acier donc, très, très solide pour supporter les hautes températures et les grandes forces centrifuges. Bien que les turbines soient généralement couplées ensemble pour entrer sur la tonne, dans certaines centrales de grande puissance, la turbine HP entraîne à l'alternateur, tandis que les turbines MP et BP sont couplées pour entraîner un deuxième alternateur de même puissance. Donc, parfois, on met ici un alternateur, juste à la haute pression, on va on met un autre alternateur et on va enlever le couplage, bien sûr. Donc, vous avez le premier gaz, donc il entraîne donc la turbine HP qui va entraîner son alternateur 1. Ensuite, les gaz sont récupérés, il va entraîner un alternateur 2 et un alternateur 3 pour ensuite convertir leur énergie par une turbine 2 et une turbine 3 pour ensuite entraîner donc un alternateur 2 qui va aussi donner sa puissance au réseau. Donc, on découple ici. On découple, il va entraîner un alternateur Wahdo, Hadouma, ils vont entraîner un autre alternateur ici. Voilà, donc vous avez de la récupération de la pression, évidemment. Alors, nous sommes là, on était là. Non, ici. Et voilà, on revient aussi au condenseur. Donc, le condenseur, on l'a expliqué tout à l'heure, environ la moitié de la chaleur dégagée dans la chaudière doit être extraite de la vapeur qui arrive au condenseur. Donc, le condenseur, il extrait le contact avec l'eau froide. Donc, on descend la température
on fait baisser la chaleur par l'arrivée de l'eau froide ici, qui ressort ici eau chaude. Donc l'eau froide, on parle de la vapeur d'eau, donc elle va transformer la vapeur d'eau en eau tiède. C'est de l'eau tiède qui ressort d'ici, qui mêle, ça ressemble un peu au système de refroidissement de la voiture, hein, donc radiateur, etc. Voilà. Alors, il faut donc d'énormes quantités d'eau pour refroidir celui-ci. Donc, le condenseur d'ailleurs. Ou une jiboulma, en général, elle vient d'une source, l'eau venant d'une source extérieure, circule à travers le tube du condensateur qui agit effectivement comme échangeur de chaleur. La température de l'eau refroidissement augmente de 5 à 10 degrés lors de son passage à travers le condenseur. C'est-à-dire l'eau, elle vient par exemple à 20 degrés, elle ressort à 25 ou là 30 degrés, la sortie. Donc, à 18-20 degrés, on est à peu près à 25 ou là 30 degrés. Donc, le système, donc il faut beaucoup d'eau. On met une petite flèche, mais il faut beaucoup d'eau. Et en général, les centrales, c'est pour ça que les centrales, elles sont installées là où il y a beaucoup d'eau, c'est-à-dire à côté des rivières, à côté des lacs, ou bien au bord de mer. Donc, en Algérie, la majorité des centrales électriques sont en bord de mer, ou là, dans des zones où il y a beaucoup d'eau, pour pouvoir donc répondre au système de refroidissement. Voilà. Un voir. Condenseur. Lors de son passage, l'eau provenant de la condensation de la vapeur a une température comprise entre 27 et 33 degrés. Voilà, donc la température qui ressort, elle est entre 27 et 33 degrés, c'est-à-dire l'eau tiède. Elle est l'eau tiède, entre 27 et 33 degrés. C'est bon, et ensuite elle est repompée vers le réservoir d'eau. Alors, la température de l'eau, le refroidissement est de quelques degrés plus basse, bien sûr. La présence du condenseur est essentielle afin de maximiser le rendement des turbines. Et ouais. Donc, vous êtes obligé donc de condenser l'eau pour augmenter le rendement, c'est-à-dire essayer d'avoir la même eau, etc. De réguler la température de cette eau. Parce qu'en fonction de la quantité d'eau que l'on envoie du condenseur, et on peut plus ou moins régler donc, la température de l'eau à la source. On suppose les cheminées de refroidissement, elles sont importantes les turbines nucléaires, hein, donc les centrales nucléaires, ils ont beaucoup de température, la température est beaucoup plus élevée que dans les centrales donc thermiques, et par conséquent l'eau ou la vapeur d'eau elle est très très chaude, donc il faut des tours de refroidissement très importantes. Donc, vous les voyez, elles sont comme des cônes comme ça. Elles ressemblent un peu à des cônes qui dans la base rétrécit vers le haut. Et ces cônes-là des centrales nucléaires, c'est juste des cônes de refroidissement pour refroidir les gaz. S'il y a des gaz ou bien, et surtout pour refroidir l'eau et la remettre donc à la condensation. Donc la condensation se fait dans ces tours de refroidissement. Si la centrale est située dans une région aride, c'est-à-dire la région où il n'y a pas d'eau, ou éloignée d'un lac ou d'une rivière, donc il n'y a pas de lac, on doit quand même trouver un moyen pour refroidir le condenseur
Donc là, on met donc des tours de refroidissement qui mettent les tours dans les centrales nucléaires dans les zones où il n'y a pas donc de, il n'y a pas donc d'eau par la présence d'un lac, d'une rivière ou bien de la mer. Donc, on utilise alors le phénomène d'évaporation pour obtenir le refroidissement requis. Par exemple, lorsque s'évapore de la surface d'un lac, ce dernier perd une quantité de chaleur importante. Des expériences ont démontré qu'une quantité de chaleur de 2,4 mégajoules est perdue pour chaque kilogramme d'eau évaporée. Donc, lorsqu'on fait évaporer l'eau, donc c'est une énergie donc qui est dégagée et c'est une énergie qui est quand même assez consistante. De sorte que l'eau du lac se refroidit. Et le même refroidissement se produit pour toute masse d'eau qui s'évapore. Voilà. Donc, considérons par exemple un réservoir contenant 100 kg d'eau et une température quelconque. Si l'on fait évaporer 1 kg sur les 100, la température de 99 kg qui reste baisse de 5%. Donc, la température de l'eau baisse donc de 5% chaque fois que l'on fait évaporer 1% de sa masse. C'est un phénomène donc de d'échauffement de l'eau. Donc, comment peut-on provoquer l'évaporation? Il suffit de présenter une surface d'eau aussi grande que possible à l'air environnant. La meilleure façon de le faire est de le fonctionner, la masse d'eau en gouttelettes au moyen d'un arrosoir et de souffler de l'air à travers la pluie, ainsi créée. Donc, voilà, on prend l'eau, on la disperse dans une tour de refroidissement, on la disperse à travers toute sa surface externe sur des conduites de type condenseur. Et lorsqu'on souffle l'air sur ces masses d'eau, donc sur ces quantités d'eau, lorsqu'on souffle l'air, donc il va créer donc un refroidissement de cette eau. Donc, dans les centrales thermiques et nucléaires surtout, l'évaporation de l'eau est assurée par d'énormes tours de refroidissement. Les grandes cheminées de refroidissement, elles évaporent environ 2% de l'eau de refroidissement requise, si bien que cette perte doit être compensée par une source souterraine, un ruisseau ou un petit lac, c'est-à-dire une partie de l'eau en circulation fermée, d'environ 2% qui va être perdu donc par ce phénomène donc d'évaporation, eh bien il faut avoir à côté donc une source d'eau, un ruisseau ou un petit lac qui va donc renouveler, donc qui va compenser cette perte là et permettre donc à la centrale de fonctionner avec la même quantité d'eau. Ensuite, les pompes d'alimentation en eau, il faut toujours des pompes pour acheminer l'eau d'un point à un autre. La pompe d'alimentation prend la vapeur condensée du condenseur et la renvoie dans le ballon de la chaudière. Dans une centrale moderne, la puissance de la pompe est d'environ 1% de celle débitée par la génératrice. Donc déjà 1% de cette génératrice, de cette puissance-là, elle est absorbée par cette pompe. Donc, c'est des grosses pompes parce que ça utilise beaucoup de quantité d'eau. Et donc, 1% de cette puissance est absorbée par cette pompe. Ça, c'est en général. Donc, c'est l'avis des spécialistes. Alors, comment peut-on provoquer l'évaporation? Bon, on a vu ça. Pompe d'alimentation en eau. Par la génératrice, bien que cela semble représenter une perte importante, on doit réaliser qu'elle sert à augmenter la pression de l'eau. 1%, c'est beaucoup, effectivement, pour une pompe, parce que la puissance d'une génératrice de centrale, c'est,
c'est beaucoup, hein, qui m'a, par exemple, la centrale du Hama, il y a deux groupes, donc il y a deux génératrices. Eh bien, une génératrice, elle fait à peu près, elle peut faire jusqu'à 200 mégawatts. 200 mégawatts, 1%, c'est 2 mégawatts. 2 mégawatts, c'est immense, 2 mégawatts. 2 mégawatts, c'est immense. 2 mégawatts, c'est ce que peut consommer au moins une petite ville. Hein. Une petite ville, 5 mégawatts. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que chaque maison, une maison, elle consomme à peu près 5 kilowatts maximum. D'accord? Une maison, c'est 5 kilowatts, c'est le rationnement de son gaz. Donc, vous divisez 5 mégawatts, c'est-à-dire 5000 kilowatts, divisé par 5, ça fait 1000 maisons, hein, en fait. Donc, la pompe va consommer l'équivalent de l'énergie que consomme plus de 1000 maisons. Hein, parce que 1000 maisons, c'est lorsque on suppose qu'il y a 5 mégawatts, mais en général, c'est 5 kilowatts. Mais en général, c'est moins. 5 kilowatts, c'est la limite. Donc, il faut. C'est à peu près, disons, la consommation de 1500 maisons. 1500 maisons, c'est une belle ville. Hein. Donc, ce que je disais tout à l'heure est largement fondé. Donc, voilà. Alors, qu'elle sert à augmenter la pression de l'eau. L'énergie est donc récupérée lors de son passage sous forme de vapeur à travers les turbines, de sorte que la perte est effectivement nulle. Bof. Ouais. Diagramme énergétique d'une centrale. Bon, on fait une petite pause de 5 minutes et on reprend. Hein. Donc, on s'arrête ici. On fait 5 minutes, on va boire un peu d'eau et on revient.
Donc, on peut reprendre. Allez. Donc, ici, on a un exemple. Diagramme énergétique d'une centrale thermique. Donc, les centrales thermiques modernes se ressemblent beaucoup. Et la plupart fonctionnent à une température de 550 degrés. Vous voyez, 550 degrés, c'est une très haute température. C'est beaucoup. Parce que déjà, l'eau, hein, l'eau, elle bout à 100 degrés. Donc là, à 550, c'est pour avoir des pressions très, très élevées. Une pression de 16,5 ouais. C'est des fortes pressions. Elle donne un rendement global de l'ordre de 40%. Déjà 60%, mais l'énergie thermique, elle y a, elle part dans les différents compartiments et il n'y a que 40% de cette énergie thermique qui est convertie en électricité, c'est-à-dire PE, la puissance électrique à la sortie, ou la PS à la sortie de l'alternateur, elle est de 40%, elle est égale à 40% de l'énergie thermique totale générée par la combustion, le carburant. Alors, les quantités d'énergie, les débits de vapeur, etc., ne changent pas beaucoup, même pour des températures et des pressions différentes. Donc, à peu près, la technologie est normalisée en matière donc d'énergie. Cela nous permet de télécharger et un débit électrique de 12 MW. Donc, 30 MW, ça c'est la puissance calorifique absorbée. Hein, donc, l'électricité, c'est la puissance fournie par l'alternateur, donc par la centrale au réseau, c'est 12 MW. Donc, 12 MW, la production électrique, c'est où? C'est une petite centrale. Qui m'a demandé à Babzoua. Babzoua est une centrale d'appoint. C'est une centrale, on a la centrale d'appoint. Donc, c'est une centrale de secours. Elle n'est pas importante, c'est une centrale de secours que l'on met en marche pendant les heures de pointe uniquement. On a quatre groupes, chaque groupe fait 20 MW. Donc, Mishibzef, 20 MW, alors que Hadintal Hamma fait deux groupes, chaque groupe fait presque 200 MW. Vous voyez un peu la différence. Hein? Donc, soit un rendement global de 40%, donc on suppose que le rendement d'une centrale thermique, donc il est de l'ordre de 40%. Là, on a vu à peu près, bon, il varie un peu. On avait vu, donc, Winra, Mishéhna. Donc, on avait vu que c'est variable entre 21 et 45%. Hein, donc, ça peut atteindre 45%, mais avec une huile légère, c'est-à-dire le gaz naturel ou peut-être aussi les essences ou autres. Donc, 40% de rendement. Alors, rendement de 40%. Par exemple, une centrale de 480 MW, là, c'est puissant. 40 fois plus puissant que ce modèle-là, hein, aurait les caractéristiques approximatives suivantes. Pour les 480 MW, là, c'est une centrale puissante, hein, c'est une grande centrale. Pour 480 MW, consommation de charbon, 400 kg par 40 kg par seconde. Donc, du charbon. Chaque seconde, vous devez envoyer 40 kg de charbon pulvérisé dans la chambre de combustion. Et, consommation d'air, il faut pomper, la pompe électrique, 400 kg d'air par seconde. Et la puissance de la chaudière, c'est 1200 MW. C'est une très grande puissance thermique. 1200 MW, 1,2 GW. Ou bien sûr, le 40%, c'est le qui dit
fois 40 divisé par 100, dit 480. À peu près. Mais 60% des coins 3. 60% en 3, c'est des pertes. Ah, d'accord. C'est des pertes. La rallye. Et encore, je trouve que c'est l'éolien. Le rendement de sa haie, il est 5%. Le baril, c'est du vent. Donc, 60%, il est le vent. Donc, débit de vapeur, 320 kg de vapeur par seconde. L'eau de refroidissement, il faut pomper. C'est pour ça que j'ai dit il faut avoir un lac ou là une mer, au bord de la mer, ou là une rivière. 14 400 kg par seconde d'eau. Un kilogramme d'eau, c'est des litres par seconde. 14 400 litres par seconde. Une coultenia, les hommes pompés pour refroidir la centrale hadienne, c'est à 480 MW, les 14 400 litres d'eau. Coultenia par seconde. Imaginez combien d'eau va être pompée pendant une journée. Donc, avec delta T égale 10 degrés, donc la différence température 10 degrés, donc 14,4 mètres cubes d'eau par seconde. Donc, chaque seconde, il faut pomper 14 mètres cubes d'eau. Attendez un moment. Hein. Un moment et je reviens. Alors, 14 mètres cubes d'eau par seconde. Voyez un peu pourquoi les centrales sont toujours installées là où il y a de l'eau. Donc, les rivières, les lacs, l'eau de mer, etc. si l'on doit installer une tour de refroidissement, là, c'est une parade à cela, donc c'est une façon de diminuer un peu ces quantités d'eau. Il faut installer une tour de refroidissement. Comme les tours hadouk, les centrales nucléaires, elles doivent avoir pour une quantité d'eau égale à 2% fois 14,4 mètres cubes, c'est-à-dire 0,288 mètres cubes par seconde. Là où la quantité évaporée par le truc. Donc ici, c'est le schéma. Un modèle réduit d'une centrale thermique 12 MW. Ah, on est que le charbon, maintenant, l'air, maintenant. Donc, 1 kg par seconde de charbon, 10 kg par seconde d'air, et là, on a les brûleurs. Et on a les brûleurs, ou chal, qui met la cuisinière, qui met le chauffe-bain. يشعل هذه سين شوديير نتاع الماء دونك يشعل يسخن الماء في لا شوديير دونك لا بريسيون نتاع الزايده تروح هكذا الشالور الزايده تروح هكذا في لا شومينيه تروح الهواء هاي لي كليبيرت هذو كامليك لي بيرت سي لا شالور كي فا شوفي تو سا ال فا شوفي لي باروا اي لا شالور كي فا ايسي لا شالور كي سي بير ا بو بري ايسي Il y a de l'énergie qui se perd au niveau des turbines, et ainsi de suite. Donc, pour avoir les 40% d'énergie électrique, l'énergie électrique. Donc, la chaudière, l'eau est évaporée. Donc, on envoie l'eau par une conduite ici à température 550 degrés. C'est de la vapeur d'eau. 550 degrés, pression 16,5 mégapascal, avec un débit de 8 kg par seconde. On attaque la turbine,
avec cette forte pression, donc la turbine va tourner et toute cette énergie thermique qui est envoyée ici, elle est convertie en énergie mécanique de rotation par l'arbre. C'est l'accouplement de l'arbre. Vous prenez un moteur d'entraînement ou la machine, ou avec l'accouplement. Donc c'est l'arbre, l'accouplement de l'arbre, c'est l'alternateur. Ou bien la génératrice synchrone, c'est la même chose. Une génératrice synchrone, on l'appelle communément alternateur. Ou moteur synchrone, c'est un moteur synchrone, c'est une fonction moteur. Donc, l'alternateur est une génératrice synchrone qui va, donc, à l'excitation radique, grande excitation continue, qui les déroule TP4, ou bien maintenant, avec les trois phases, tu as le couplage au réseau. Tu as la puissance électrique, donc elle va convertir cette puissance mécanique ici en puissance électrique triphasée qui va être donc transférée à un transformateur ici, parce qu'on a dit la sortie d'une centrale, c'est à peu près entre 10 et 20 kV. Donc, un transfo qui transforme les 20 kV de la sortie en 220 kV ou la 400 kV, ça le départ directement vers le réseau. Donc, on a une puissance électrique de 12 MW. Je chauffe déjà 3 MW à Winrako. La chaleur déjà. Je trouve les pertes. Déjà 3 MW, il y en a. Donc, il y a 12 MW en électrique qui vont être exploités. La vapeur d'eau qui est à 550 degrés avec la pression de 16,5 MPa, elle va faire tourner la turbine. Le gaz il est acheminé ici. Donc, il y a une perte de 15 MW déjà à l'énergie électrique. Donc, l'énergie, l'énergie 30 MW, déjà, elle perd 3 MW. Et Prao 27, quand elle attaque ici, elle perd la conversion, elle perd 15, 25 moins 15, 27 moins 15, je vais aller Prao, et Prao 12, 12, il dit, ou le 15, il va la conversion. Un bal, je récupère la vapeur avec. C'est de la vapeur d'eau à 550 degrés. À peu près, un peu moins que 550 parce qu'il y a une détente ici. Donc, il y a une pression, elle va baisser aussi. Donc, je récupère la vapeur d'eau. Là, il y a un bas de fou, ça, le condenseur. Il y a le condenseur. J'ai le mât, 360 kg d'eau par seconde. 360 litres par seconde. On m'a dit, c'est un serpentin, donc il est fait comme ça, il est en zigzag. Il faut pas qu'il y ait une spire alors qu'il est fait en zigzag. Donc, le mahadaya, il va être en contact avec la vapeur d'eau. Ensuite, donc, la vapeur d'eau, avec le contact avec le mahadaya, on m'a dit, le mahadaya, il va être en contact avec une température un peu plus élevée. Donc, la vapeur d'eau, quand elle est en contact avec l'eau froide ici, elle va devenir de l'eau ici, de l'eau à peu près à 27, 30 degrés. Donc, de l'eau ici qu'on va récupérer de la pompe hydrique, on la réinjecte ici, la chaudière qui va la brûler de nouveau et ainsi de suite. Donc, voilà le circuit intermédiaire. Maintenant, il devient gaz, il va attaquer en gaz, il va se transformer en eau. De l'eau et il va être injecté ici la chaudière compo qui l'a acheté. Donc voilà un peu un schéma simplifié d'une production thermique à 12 MW. 12 MW, c'est à peu près la centrale à ça va le soir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on arrête. Allô, est-ce que vous m'entendez?
هيا سيبون خفت من الصباح وانا نعيط واحد ما يسمع لي. Très bien. Si vous n'avez pas de questions, donc on arrête pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite bon courage. Voilà. Merci, monsieur. Merci pour vos efforts. Moi, je vous remercie. Allez.